On ne dépense pas ses âmes tant qu'on ne les perd pas. Puis après on les perd. C'était pas la meilleure suite de musique que j'ai fait, certes. De là se moquer ouvertement comme ça, bon. Je suis pas partisan de cette attitude moi, mais bon. On va aller voir Avel. Le petit Avel en NG+, il va être drôle. Avelou. Enfin c'est pas lui hein, mais bon. La personne qui se prend pour Avel. On va voir ce qu'elle a à nous raconter. On monte, on monte, on monte. Ok, il a failli me brûler. Ah, il y a un coffre. Sur l'échelle. De la violence éternelle. Hello. Non, ça va, elle va en bas. Pulvérisé sur Avel. T'as vu, c'est Avel, ça. Ça va, Avel, tranquille. Alors. Ça va, mon gros, qu'est-ce que tu deviens? Table de titanite, je la ramasse déjà. Je vais pas essayer de le parier, ça, bizarrement. Quoique. Non, non, j'ai pas envie, remarque. Oh! Non, non! Ah, ça va. Je m'attendais à plus. Oh non, il commence à faire ça là. Non! Ah, il l'a fait quand même. Bon. Du coup, je lui fais rien. Génial. Ah, c'est fini! Non, non, pas le coup chargé! Ah! Oui! Il est parable, comme n'importe quel homme. Je crois que son arme à Avel, elle ajoute plus 10% de magie ou je sais pas quoi, de puissance magique de nos trucs ou un truc comme ça, je crois. Ou de résistance à tout, je crois. Non, non. Il me fait peur quand il fait ça. Tu vaux pas mieux que nous autres, Avel. Je sais pas comment t'as élevé tes parents, mais t'es pas mieux. Voilà. Allez, donne-moi ça, va. Merci, je l'avais déjà, mais je suis le reveux. C'est pour ça que je reviens te tuer, parce que j'ai pas d'âme. Que ce soit clair entre nous, Avel. J'ai une sentiente x3, hein, totalement mérité. Oh, je t'ai vu arriver, toi, mais à 2000 mètres. Oh, oh, oh. Ton ami, là, il me fait chier, par contre, à côté. Je sais qu'il va venir au pire moment du combat. Tiens, fais-toi stun un peu. Non, pas du tout. Ouh. Putain, mais toi, t'as l'air plus violent que les autres, non? Encore pire. Encore plus hargneux, tiens. Oh, oh. Oui. Putain, il tourne à la protéine, ce machin-là, c'est pas possible. Non, là, là, je me fais... Bah non, là c'est le jeu qui est biaisé quoi, je suis désolé mais... Il me fait chier lui. Ok, j'ai fait n'importe quoi mais ça va... NON! J'en étais sûr! Ah non, c'est pas le même. Oh là là, mais c'est pas possible ces gens là là. Non mais non. On va s'en sortir, on va s'en sortir, vous inquiétez pas au skill. J'ai pas une braise là, non. Par contre, j'ai ça. Lui, il va mourir, lui. Die! Yes! Pour une fois que ça me sert. Bon, ça va, quoi. Non, mais ça va! Merci. Éclatité, toi, c'était bien la moindre des choses, là. C'est qui, ça, déjà? Faucon du Bruit, le déserteur. Ah, on peut l'avoir pour le Roi Tempête? Est-ce que je le savais, ça? Il n'a aucune idée. J'ai tellement tryhard, ce boss, et je me rappelle pas si on pouvait avoir lui, tiens. Elle est dead. Non mais t'es dead. Voilà, plus de fiole par contre. Bon. Allez, il faut bien le faire. Merde, je m'en rappelais hein, qu'il y en avait 10 000 ici. Ah lui il est classe en plus. Oh. Donne-nous des petits trucs de ralenti là, comme je pouvais le faire au premier let's play. Mais c'est mâche. Non. Mais ça le calme pas quoi. Allez. Merci. Voilà. A plus. Enfoiré. Ah, ah non, là tu m'as bien eu. Je m'y attendais pas, tu vois. Je me suis arrêté cette fiole dont je me sers jamais. J'aurais déjà dû l'enlever, quoi. Dead. Ah, mais tape plus vite. Oh, j'ai cru que j'étais mort. Une fiole, une fiole, une fiole. Non, même pas. Je suis un chien pour toi. Est-ce qu'il y en a encore, là? Parce que ça va, quoi. Il y a sûrement en avoir encore. Hein. Il me surprendrait pas trop, je dois vous avouer là. Qu'il y en a encore un ou deux cachés. Qui va me prendre. Par surprise, non, c'est un buisson. C'est bon les gars, on est tous sortis d'ici. On va pas m'attaquer par derrière et me faire du mal. Ah, y a un buff, un loot. Anneau d'Avel plus 1, tiens. Est-ce que je l'ai sur moi? Ah! Ça par contre, c'est vraiment bien. Bon, ça augmente pas grand chose du coup, mais voilà, je prends.
Je prends Yo Pregno. Merci. Ben voilà. Ok. Ce dragon exposé à la vue de tous. Je sais qu'il y a un ennemi, donc on va lui tomber dessus. Non, je suis mort des dégâts de chute. Non, que je suis con, que je suis con, que je suis... un anneau sacrificiel pour pas perdre toutes mes âmes si je meurs. Ouais, t'es gentil, toi, d'essayer de me tailler comme en prison, mais ça va, quoi. J'en ai vu beaucoup des comme ça. Oh non, mes âmes sont en haut. Bon, j'ai pris un mauvais choix, là, déjà, de direction. Cendre d'un trac dragon. Ridicule. Tout ce que j'ai à dire. Holy shit! Non, non. Hop là. Easy. Chut. Chut. Tout va bien se passer. Allez, allez, allez. Si je le fais assez vite, il pourra juste, voilà, me toucher, bien sûr, à travers les dimensions. Bon, là par contre, on va à l'iche-feu parce que c'est vrai qu'il y a des limites aux conneries humaines, surtout à la mienne. Même si on pourrait croire qu'elle est sans limite pour le coup. Non, je vais pas perdre mes 413 000 âmes. Je me suis battu pour obtenir. Écoutez, ce que je peux augmenter là, c'est la dexté, mais bon, pour mon arme, change pas grand chose. L'intelligence, sinon, mais de toute manière, on arrive à la fin du let's play, donc d'ici, est-ce que l'intelligence soit utile? La vigueur, du coup, moi je dirais. La vigole, en espagnol. André le Forgeron m'a donné la verte lame de Faucon Dubreuil. Verte lame tachée de sang de Faucon Dubreuil, un déserteur de la Légion des Morts-Vivants. Traditionnellement, les soldats de la Légion des Morts-Vivants emploient la verte lame pour adresser à autrui un message de la plus haute importance. Rallier au plus vite le mosaïque de Pharaon, un seul être peut marcher sur les traces des dragons anciens. Écoute, tu vas morfler, mon brave, hein. Mais c'est ta volonté, tu vois. Je t'aurais pas poussé à faire ça, clairement. Ah bon? Loathe me all you like. I shall take what makes you dragon. On verra ça. Ok, ça t'a pas arrêté, ça t'a pas fait beaucoup de dégâts, mais je voulais absolument tester. Ah, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il utilise une des armes les plus faciles à parier du jeu, je crois. Même si elle est classe, elle est incroyablement facile à parier. Surtout qu'il est prévisible, le bougre, hein, je vais pas lui faire de la peine. Non, mais je te dare de faire ça, là. Présence des enfants. Ah non, 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 ça par contre. Voilà, merci, mon brave. T'as pas honte? Tiens. Ouais, je m'y attendais un peu, hein. Ça peut durer longtemps comme ça, hein. T'as combien de fioles, mon brave? Moi, j'en ai 15. Et puis les gars que tu me fais au rythme où tu me les fais, je pense que t'en auras plus avant moi. Oula, c'était très sinueuse comme phrase, hein. Elle était très sinueuse. Ça pour dire de la merde en plus. Alambiqué, quoi. Voilà. You are a dragon. More dragon than I. Ah bah, y'a pas de doute là-dessus, tiens. Voilà. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas eu de combat là, mon brave, hein. Je vais pas te faire de la peine. Ah, oh, solaire, ça va? Tranquille? Je suis sûr que c'est le vrai en plus. Il est là, l'homme qui a détruit à lui tout seul le mythe de Solaire. Avant, il y avait la théorie que Solaire pouvait être le fils de Gwyn. Mais non, c'est lui. Il a tout détruit. Bravo. Super. Belle mentalité, hein. Allez, amène-toi avec ta vouivre là qui pue la merde. Oui, oui. J'ai peur.
Ce qui me fait peur, c'est la phase d'après surtout. Et l'état mental dans lequel elle va me laisser. En tout cas, elle mange bien les dégâts, elle. Hein. Qu'est-ce que tu me fais là? Oh, mais je te permets pas, laisse-moi! Laisse-moi. Oh. Ok, mais laisse ça, mais tape pas! En espagnol. Mais putain, je pue la merde là! Allez! C'est quand que j'ai putain de possibilité de lui faire des dégâts là? Oh bah oui. Je suis vraiment une sous-merde! Ah, c'est insupportable! Allez, je vais te défoncer, je vais te défoncer! Je suis passé à travers, hein! Je suis passé à travers! Touche-le! Non, oh, ça m'en fout ça! Ah, tu veux pas me laisser faire un coup là? Eh, piou! Hop! Mais non, je suis censé pouvoir taper là, non? Te faire un. Laisse-moi te faire un front stab! J'ai esquivé comme de la merde. Ah ouais, quand même! Il est où? Il est là. Tiens, allez, à plus! Oh, allez! N'est pas ça près, quoi, ça va. Non, faut pas que je me mette en dessous. Ah. En fait, j'avais peur qu'il saute. Alors là, ça va te transférer là-bas. Comme si t'étais mort au milieu de la map, alors qu'en fait, il mort ici, ton pouilleux de dragon. Un bon mollet que t'as là. Ouais, ouais, d'abord je le tue lui, puis après je te tue toi avec ta propre armure, ça te va? Je vais prendre ta lance d'ailleurs, cette fois. Je sais plus ce que j'avais pris avec ton âme. Hello! Bon, c'est vrai que tu fais peur, je peux te mentir. Là, je m'en souviens que trop. On commence dans le vif du sujet avec toi, non? Ok. J'ai cru que j'allais mourir dès le début. Je veux savoir. Ouais, mais toute évidence, pas sur ça, mais est-ce qu'on peut le parier? Non, pas ça, c'est une chope. Je la vois venir. Oh, je suis une merde, c'est affligeant, quoi. Pourquoi je te fais pas de dégâts, par contre, on en discute, ou... Est-ce que je peux te parier? Je pars trop mal, aussi. Je pars mal. Ça va comme ça, c'est bon? On s'arrête là pour le pattern? Oh, j'avais mal esquivé pourtant. Pareil. Je suis bien trop en avance, mais bon. Enfin, un troisième là? Ah, ça, c'est de la saloperie ça. Hein. Ah, nice! C'est vrai qu'il y a ça, je m'en rappelais plus. Tiens, mange-toi ça. Voilà, enjoy-moi ça. Hein. Oh, c'est pas beaucoup quand même. Enfin, si, ça va, remarque, c'est un boss, hein, on va pas se plaindre. C'est même pas une parie, rien, donc. Ouais, enfin, si tu pouvais prévenir quand tu fais des trucs de ce genre. Qu'est-ce qu'il fait là déjà? Ça va me tomber dessus! Heureusement que j'ai mis de la vie, parce que ça, je sais pas comment esquiver. Pas la chope! Oh putain, non. Pas maintenant. Mais oh! Un troisième, mais d'habitude. Mais maître, des destroyers. Prévisible, classe mais prévisible. Ah, superbe. Ça me fait peur là. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, brave. Ouais. Sûr, je l'aurais tapé, il en aurait bien profité pour me faire du mal. Non. Ah! Ça va, bon timing.
Petit stress. Non. Ok. Je m'attendais à pire. Ça par contre, s'il me chope avec ça, je pense que on peut me dire adieu directement. Classique. Pas un troisième. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Non. Oh, oh, oh. Oh. Ça aussi, ça fait mal. Allez, à plus. Bon, c'était pas de la manière la plus classe, mais au moins, c'était un pseudo one try. Ah, c'est à terre, hein, bien sûr. Âme du roi sans nom, et blablabla. Bla, bla. Et ben, easy en fait. Désolé si vous attendiez à ce que sera, à ce que je serai. Même moi, je m'y attendais, mais. Bon. Écoutez, des fois, la vie est drôle, hein. Mais bon, j'avais le casque d'Onion Blodesca, donc. Ah, ça. Ouais, ça l'a un peu intimidé, je pense, hein. Je vais pas te mentir, là, petit viewer. Avec ce casque, quoi. Comment tu prends quelque chose au sérieux? Hop! Pouf! Il n'y a plus de tempête, dis donc! Et ben, ça nous laisse que le boss de fin. Bon, il y a le roi démon là, au lac Cendré. Mais lui, il est vraiment mauvais, quoi. Je veux dire, ce boss là, si j'y vais, je vais encore le one shot. Déjà je l'avais one shot dans la partie normale, mais là au niveau que je suis de l'aventure, ça veut dire que j'ai un avantage de fou au niveau des levels. Donc bon, ce serait plus long d'arriver à lui que de le tuer, donc ça vaut pas le coup je pense. Onion bro. Oh, il y a un loot là-bas, mais j'y crois pas. Salut, c'est le truc de... tueur dragon. Lance de tueur dragon, oui. Est-ce que c'est toujours, je sais pas quoi, rien de plus là? Ah non, ah, champion en vue, mais manque cruel de Grotta, ça c'est vrai. Faut référence à Hansine et Smough. Il manque Smough. Et je vais ramasser ce loot qui était au début, mais que j'ai pas vu. Y a pas grand chose qui rattache mon personnage au fait que ce soit une femme. À part des fois quand elle court comme ça sans armes, une démarche un peu plus féminine, je suppose. Enfin bon, sinon c'est dur à voir. Deux tablettes titanite hein, dans cette zone, aisément. Pas que j'en ai besoin, mais bon, moi je les ai quoi, sous la main. Eh bien voilà, écoutez, on arrive à la fin de ce let's play bientôt. Alors il nous reste l'âme du seigneur des cendres, qui est le boss de fin, et qui nous permet de finir le jeu. Et sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo, on va faire péter ce compteur de likes, n'est-ce pas? Wouh! On va distinguer. Ah, le salaud! Les ninjas! Non, ça monte! Non! Oh, je m'attendais pas! Tiens, je me croyais en relative sécurité. Pas du tout.